Merci. Désirez-vous quelque chose? Non. Oui, une eau minérale. Bien, madame. Très cher public, où est le vrai et où est l'illusion? Qui est prisonnier? L'homme enchaîné ou l'homme qui empêcherait son imagination de pouvoir s'envoler? J'ai conçu cette capsule, non pas pour répondre à ces questions, mais pour les reposer encore une fois. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un collaborateur. Parmi vous. Je vais y aller. Non, pas moi. Pas moi, Monsieur Dorian, je vais y aller. Oui, c'est moi. Ah, et comment vous appelez-vous? Lorraine Ellis. Madame Ellis, je crois. En effet. C'est ça. Suivez-moi, je vous prie. Madame Ellis sera à présent ma geôlière, mais serai-je pour autant son prisonnier? Madame Ellis, quand je serai à l'intérieur, j'aimerais que vous fermiez à clé la porte et que vous montriez à l'assistance qu'elle est verrouillée et qu'il n'y a pas de porte dissimulée. C'est verrouillé. Oh! Il n'y a pas de sortie. Madame Ellis, vous avez dit la vérité, mais pourtant je suis libre.
Je suis libre de me promener dans les cités de l'esprit et de visiter les royaumes de mon imagination. Le temps et l'espace n'existent plus. Je vous remercie, Madame Ellis. Je suis dans un autre univers et pourtant je suis parmi vous. Je peux toucher au soleil et en même temps je peux toucher votre main. Nous pouvons tous nous libérer, si nous le voulons, par la magie de la pensée. Nous allons dire à tous les geôliers de la terre que nous sommes libres. L'imagination peut vous transporter n'importe où et elle peut aussi vous tenir compagnie. Et vous serez en charmante compagnie. Laisse-moi passer. Vite, un médecin. Il est mort, je crois. Est-ce que vous voulez sortir d'ici? Oui, oui. Je ne bois pas. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous êtes ici et ce que je vous veux. Je ne lis pas dans vos pensées. Je lis dans vos yeux, vos gestes. Écoutez, j'apprécie, croyez-le, votre gentillesse envers moi, Monsieur Dorian. Vous mais... connaissiez le mort, n'est-ce pas? J'aimerais m'en aller. Vous êtes très gentil. Madame Coogan. Vous savez comment je m'appelle?
Nora Coogan, 14 Hawkway Canoga Park. Vous aviez une réservation au nom de Mallory. Vous avez tort sur un point, je ne connaissais pas du tout cet homme. Vous aviez rendez-vous avec lui? Vous pouvez avoir confiance en moi. C'était à propos de ma fille, Marie-Rose. Un homme a téléphoné chez moi et il m'a dit qu'il avait fait une réservation ici pour ce soir au nom de Mallory. Et que si je disais quoi que ce soit à quiconque, ça pourrait coûter la vie à Marie-Rose. Marie-Rose est déjà morte, et cela depuis 3 semaines. Enfin, c'est du moins ce que je croyais. Croyais? Elle était à bord d'un avion qui a disparu. Disparu? Oui, c'était un avion privé appartenant à la compagnie pour laquelle elle travaillait, la Baker Aéronautique à Seattle. Cet homme avait peut-être appris cela par les journaux. Oh, mais cette perle, voilà ce à quoi il devait me reconnaître, mais très peu de personnes, en dehors de Marie-Rose, connaissent l'existence de ces perles. Je ne les porte jamais. Mais vous n'aviez jamais vu cet homme avant? Attendez-moi ici. Je ne serai pas long. Et n'ouvrez la porte à personne. D'accord. 1:30 pour 2. Merci. Tout est revenu à la normale, Maurice? Presque. Et où l'a-t-on mis? Dans la pièce près du garage. Nous attendons toujours l'arrivée de la morgue. Vous savez qui c'était? Il n'avait pas réservé. Ne criez pas, Madame Coogan. Vous ne risquez rien. Tout ce que je vous demande, c'est votre collaboration. Entrez. Je suis Anthony Dorian. Oh, Monsieur Dorian, je suis le docteur Pryor. Je travaille ici. Vous avez été spectaculaire. De quelle façon disparaissez-vous? Eh bien... Vous préférez sûrement éviter de discuter de vos trucs. Vous aimez aussi avoir vos petits secrets, pas vrai? Eh, c'est juste. Il faut toujours garder une part de mystère, non? Oui. De quoi est-il mort? Je pense qu'il a eu une crise cardiaque. Vous pensez? Oh, ils feront sûrement une autopsie à la morgue. Il s'appelait Octobre, comme le mois. Pas d'adresse. J'ai dans cette enveloppe tous ses effets personnels, une bague, une montre et quelques bouts de papier. Dites-moi, est-ce que je pourrais regarder son visage? Pourquoi voulez-vous le voir? Il était venu pour voir mon spectacle, peut-être bien que je l'ai déjà vu. Vous le connaissez? Non. Non, je regrette. Merci. Je ne veux aucun mal à Marie-Rose. Alors, vous pouvez très bien me dire où elle est. Qui êtes-vous donc? Est-ce que Marie-Rose est en vie? Madame Coogan, j'adore ma mère.
Et pour cette raison, je répugne à faire du mal à une... Alors, qu'est-ce que ce type a dit avant de mourir? Il n'a rien dit. Si je comprends bien, je n'ai rien à perdre en vous tuant, pas vrai? Entrez lentement. Ne restez pas là. Excusez-moi. Qui était-ce? Il ne me l'a pas dit. Personne ne me le dit jamais. Il me téléphone et il meurt devant moi et il me menace avec un revolver, mais il ne me dit pas qui ils sont. Il voulait savoir où se trouve Marie-Rose. Il croyait que l'autre homme me l'avait dit avant de mourir. Il s'appelait Octobre, Monsieur H. Octobre. Non, Monsieur Dorian, est-ce qu'il y a une chance que Marie-Rose soit encore en vie? Eh bien, plusieurs semblent croire. Aimeriez-vous passer quelques jours à San Francisco? Combien de personnes étaient à bord de l'appareil qui a disparu? 4, je crois. Marie-Rose, Lucien Baker. Ce Lucien Baker était le fils de Joseph Baker, la compagnie d'aviation. Ah. C'est son appareil qui a disparu. Et il y avait le pilote et je pense bien un copilote. Marie-Rose et Lucien s'aimaient tellement. Elle vous l'a dit? Dans sa dernière lettre. Je n'ai jamais vu Lucien. Oh, je crois que j'ai une photo de ma fille. Ah, elle est très belle. Je ne sais rien de vous et pourtant, j'ai entièrement confiance en vous. On doit toujours croire les magiciens sur parole et ne jamais tenter de percer leurs secrets. Détendez-vous, Madame Google, et laissez-moi faire. Nous avons quitté Los Angeles. Vous pouvez détacher votre ceinture. Madame Coogan, je vous présente Jerry Wallace, mon pilote. C'est vous le pilote? Mais qui conduit l'appareil? Le copilote en est très capable. Ah. Je trouve le moteur de gauche plus silencieux. J'ai remplacé les amortisseurs hier matin. Vous n'entendrez plus rien, à part peut-être un murmure, pas plus. J'apprécie grandement, Jerry. C'est votre demeure. Vous vivez à bord de l'appareil? Oui. Mais c'est merveilleux. Quand vous avez envie de voir du pays, vous n'avez qu'à vous envoler. Vous savez, c'est exactement comme une roulotte, mais plus rapide. Moins de 40 minutes avant San Francisco. Ah, merci. Thank you.
Max Pomeroy est le meilleur ami que j'ai. Il va vous plaire tout comme vous lui plairez. J'ai lu certains articles de M. Pomeroy. Il a des idées, disons, plutôt originales sur la religion, n'est-ce pas? Ainsi que sur le sexe, le mariage, le soccer et la nourriture. Tony! Ah! Quelle bonne surprise! C'est toujours un plaisir. Lulu, puis-je vous présenter Nora Kogan? Nora Kogan, vous êtes la bienvenue. Venez, entrez. Max est en communication avec Paris. Un de ses articles dans le magazine français La Nouvelle Mode aurait subi des coupures. Oh, le pauvre censeur. Si vous continuez de censurer mes articles, je vais donner mes services à votre plus proche compétiteur et gratis. Tony. Bonsoir, Max. Vous devez être Nora Kogan. Max Pomeroy. J'espère que vous me pardonnez mes éclats de voix, mais voyez-vous, un compromis en entraîne toujours un autre, et à la fin, je ne pourrai plus rien écrire. Je suis sûr que vous me comprenez. Oh, oui, bien sûr, voyons. Il n'y a aucun alcool dans la maison, mais nous avons un grand choix de thé. Mais je n'ai besoin de rien. Je me sens plutôt gênée d'arriver comme ça chez vous, au beau milieu de la nuit. Oh, cela est sans raison. Considérez ma demeure comme étant la vôtre. Ma fille Marie-Rose était... une de vos ferventes admiratrices, vous savez. J'en suis très flatté. Madame Kogan, vous voulez voir votre chambre? Vous aimeriez peut-être vous reposer? Oh oui, ce n'est pas de refus. Si vous permettez. Bien sûr. C'est une chambre ravissante. Elle a une très jolie vue. Êtes-vous Madame Pomeroy? Oh, je suis absolument tout pour Max. Tout, sauf sa femme. Ah, oui, oui. Tu es incorrigible. Tu dois toujours t'immiscer partout. Ce n'est pas s'immiscer que de servir une cause. Elle est à moi, celle. Les meilleurs le sont toujours. Tu sais, l'ennui avec mes maximes, c'est qu'elles sont toujours légèrement caustiques. Et que selon moi, l'esprit d'un Dostoïevski te convient beaucoup mieux que le mien. Vous faites partie de cette race en voie d'extinction qui peut s'émouvoir devant le chagrin et la souffrance d'autrui. Et je t'avoue avec regret que ce n'est pas le cas de Max Pomeroy. Que sais-tu sur ce H. Octobre de Seattle? J'ai parlé à ce docteur Grenville. C'est un spécialiste réputé. Il a vu ton Monsieur Octobre plus tôt dans la journée. Selon lui, ce dernier souffrait d'une déficience cardiaque héréditaire et il lui aurait vivement conseillé de se faire hospitaliser. Monsieur Octobre aurait dit non. Comme personne n'avait encore réclamé son cadavre, j'ai pensé à faire surveiller la morgue. Te rappelle-t-il quelqu'un? Ah, voyons ça. Denis, sors-moi les photographies se rapportant à tous les voyages que j'ai pu faire à Seattle, ainsi que tous les contacts que j'ai pu avoir avec la Baker Aéronautique. Cette cassette couvre les 5 dernières années, et j'en ai 3 autres qui remontent encore plus loin. Lulu, quoi que tu fasses d'autre durant ta vie, le simple fait d'avoir mis au monde un fils comme Denis suffirait à justifier amplement ton passage sur cette terre. Merci. Madame Kogan, je garde sur microfilm toutes mes photographies de voyage. Si vous voulez bien vous joindre à nous, nous en regarderons quelques-unes. Avec plaisir. Two pictures back, please.
Baker Aéronautique, banquet de remerciement offert en l'honneur du secrétaire à la Défense, le 10 juin 1970. Vous êtes là à gauche. Et à deux sièges de vous se trouve Joseph Baker, le président de la compagnie. Regardons de plus près. C'est lui. C'est Lucien Baker, le fils de Joseph Baker. Lucien Baker, vous en êtes sûr? C'est une question inutile. Bien sûr qu'il l'est. Lumière. Oh, mais si Lucien Baker est mort d'une crise cardiaque à Los Angeles, c'est qu'il n'était pas dans cet avion. Et peut-être que Marie-Rose non plus. Oh. Le rendez-vous avec Granville fut pris de Seattle. Peut-on facilement trouver de quel appareil? Oui, bien sûr. La compagnie de téléphone conserve la liste de tous les interurbains pour vérification éventuelle. Bonsoir, j'écoute. Un instant. Wilson, de Los Angeles. Ah. Ici, Pomeroy. Très bien, merci, Richard. Madame H. Octobre a réclamé le corps de son mari. Elle repart pour Seattle avec lui ce matin par le vol 52. Lucien n'était pas marié? Non, pas que je sache. Madame Coogan, il est très possible que Marie-Rose soit encore bien en vie et le meilleur moyen de le savoir est que je parte pour Seattle et que je suive le corps de Lucien Baker. Madame Coogan, Denis, merci pour tout, Max. Prie. Au revoir, Denis. Tony. Oh, je n'arrive pas à le comprendre. Il savait mon nom, mon adresse. Il connaissait tout sur moi avant même que je le lui dise. Avez-vous des papiers d'identité dans votre sac? Oui. Eh bien, il vous les a pris, les a consultés, et puis il les a remis à leur place sans que vous ne le sachiez. C'est tout. Comptez-vous chanceuse, Madame Coogan, parce que pour retrouver Marie-Rose, la seule personne compétente, c'est Tony. Il y a un corbillard qui attend l'arrivée du vol 52. C'est la maison funéraire Stoll. Très bien, l'appareil devrait arriver dans 5 minutes. Madame H. Octobre, s'il vous plaît, présentez-vous au téléphone blanc le plus près. Madame H. Octobre, s'il vous plaît. Allô, ici Madame Octobre. Allô? Rends-toi à la maison funéraire Stoll et surveille bien les allées venues. Bien. Les passagers du vol 19 à destination de Phoenix sont priés de nous. Bonjour. Bonjour, Jim. C'est ma valise, s'il vous plaît. Merci. De rien. Le bateau qui vient de partir appartient à qui? Je l'ignore. Hein? C'est dommage. C'est bien ça. Il appartient à Joseph Baker, le type des avions. Et la dame? Elle, c'est Sally Baker, Madame Joseph Baker.
Sally! Oui? Il me semble troublé. Tu as réussi? Oh, j'ai réussi. Ça n'a pas été trop dur? Eh bien, mis à part le fait que j'ai dû regarder le cadavre de ton fils Lucien et prétendre que c'était là, M. H. Octobre, mon mari, ça n'a pas été trop dur. Écoute, Joe, tu vas devoir annuler la fête anniversaire prévue pour demain, j'en ai peur. Sally, pour tous nos amis, Lucien est mort depuis 3 semaines. De toute façon, annuler serait impossible. Pourquoi donc? Je suis aux prises avec des partenaires que je dois éviter de rendre plus nerveux qu'ils ne le sont déjà. Tu as un cœur d'or. Sally, je nous souhaite un bon anniversaire. Environ une demi-heure et Madame H. Octobre s'est révélée être la belle et jeune Madame Joseph Baker. Oh oui, Sally, je me souviens maintenant. Je l'ai connue quand elle était starlet. Elle avait tout à part le talent. Ce qui explique qu'elle ait opté pour la sécurité avec Joseph Baker. Quand se sont-ils mariés? Il y a environ un an. Et il semble qu'elle ne soit pas très heureuse. Et pour ce qui est de ce rendez-vous avec le docteur Granville, d'où l'appel parvenait-il? De Seattle, de l'appartement de Mademoiselle Laura Billings, 500 Wall Street. Je te remercie vraiment, Max. Oh, dis donc, une dernière faveur. Tu veux téléphoner pour moi au cabaret pour qu'on me remplace ce soir et aussi demain? Oui, bien sûr. Merci, je te rappelle. J'aimerais tellement réussir à croire qu'elle est en vie. Si elle l'est, il la trouvera. Comment en êtes-vous si sûr? Vous connaissez l'enchanteur Merlin? Ou le comte de Monte Cristo? Vous avez bien sûr lu ce roman, Nora. J'ai vu le film. Eh bien, en un sens, Tony a vécu cela. Il y a 10 ans, en Amérique latine, il a été emprisonné pour une affaire d'espionnage dont il était innocent. Vous avez dû remarquer les cicatrices sur ses poignets. C'est la marque des chaînes. Ces cicatrices sont continuellement présentes à son esprit. Voilà pourquoi il ne peut rester en place bien longtemps. Voyez-vous, en s'évadant, il avait emmené avec lui un autre prisonnier. Il était vieux et malade. Mais il a été tellement touché par le geste humanitaire de Tony qu'il lui a légué sa fortune. Une énorme fortune. Vous devriez attendre que nous devenions amis, Madame Baker. Qui êtes-vous? Tony Dorian. Sortez d'ici.
Votre mari connaît cet endroit? Mais je doute qu'il sache que son fils Lucien ait fait un téléphone d'ici hier. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir ce qui est arrivé à Marie-Rose Coogan. Que lui voulez-vous, au juste? Si elle est en vie et qu'elle a besoin d'aide, je suis là pour l'aider. Que voulez-vous de moi? Je crois que nos intérêts coïncident. Ah oui? J'en suis presque sûr. D'accord. Qu'est-ce que je vous offre à boire? Un verre de vin. Du blanc, si c'est possible. Rien de plus simple. Qu'était Lucien pour vous? Mon beau-fils, mais... un ami. D'accord. Il aurait pu être encore plus, mais Lucien était amoureux de Marie-Rose. Où est-elle? J'ignore même si elle est encore en vie. Et pourquoi votre mari la cherchait-il? Il ne se confie pas à moi. Vous êtes allé récupérer Lucien pour lui? Oui, parce qu'il y avait urgence. C'était pour éviter l'identification qu'il m'a envoyé chercher le cadavre en employant un faux nom. Et pourquoi avoir choisi la maison Stahl? Je l'ignore. Je dois vous décevoir, non? C'est tout le contraire. Monsieur Dorian. Vous êtes trop aimable, merci. Je vous félicite sur la façon dont vous avez aménagé votre appareil. Et croyez-moi, je m'y connais. Je sais. C'est très amusant. Où est Madame Coogan? Oh, elle est, disons... dans un endroit sûr. Vous savez que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Voyez-vous, je trouve Mme Coogan très gentille. Je crains qu'on ne s'en prenne à elle. Le bon samaritain, c'est ça? C'est trop d'honneur. La chevalerie est chose du passé, vous savez. Je l'ignorais. Je vous offre 100 000 $ si vous me dites où se trouve Mme Coogan. 200 000. Au revoir, messieurs. Vous me ferez connaître votre prix. Faites attention à vous. Écoutez, la dernière personne qui m'est menacée, je l'ai changé en grenouille. Thank you.
Vous êtes à l'heure. C'est sûrement à cause de vous. C'est bien la première fois de ma vie que je suis à l'heure. Votre beau-fils a été transporté en secret chez vous. Pourquoi? Je l'ignore. Votre île est-elle surveillée? Oh oui, admirablement. Dites-moi la couleur de vos rideaux. Pêche. C'est pour me rappeler de rester féminine. C'est un excellent moyen. Je passerai chez vous ce soir. Pas besoin de cela, Carl. Pas ce soir. On ne sait jamais, Madame Paraga. Allons-y, Carl. Allez. Vous avez fait une bonne traversée, j'espère, Madame Paraga. Oui, très bonne. Oui, merci. L'ancien propriétaire avait très peur d'une guerre nucléaire.
constaté, c'est mon fils, Lucien. Il est mort à Los Angeles hier dans la soirée. Mes condoléances encore. Il y a une ressemblance. C'est une grande tragédie pour vous, mais... Veuillez nous dire le rapport que cela a avec notre affaire. Cela vous prouve que je vous ai dit la vérité. Ça ne prouve rien, sauf la mort de votre fils. Je sais que mon plan était parfait. L'équipage de mon avion devait livrer la bombe à vos gens et il devait ensuite le faire disparaître en mer afin qu'il soit porté disparu. Le gouvernement en aurait simplement conclu que notre appareil avait sombré avec la bombe. Lucien m'a doublé. Je trouve cela tout simplement inouï que votre fils ait pu être aussi vil. Ben, c'est sûrement Marie-Rose, son amie, qui l'a entraîné à faire cela. Fort heureusement, vous saisissez notre situation. Vous êtes venu nous voir avec une proposition, 100 millions de dollars, pour le prototype réalisé par votre entreprise pour l'armée d'une bombe spéciale, soi-disant contrôlée par rayon laser. Nous vous avons remis 50 millions de dollars d'avance, mais nous n'avons toujours pas cette bombe. Ça finit pour rien. Eh bien alors, peut-être pourriez-vous nous rendre notre petit dépôt. Je regrette, mais je ne l'ai plus. Dans ce cas, livrez-nous la bombe. Je vous la livrerai dès que j'aurai retrouvé cette Marie-Rose. Monsieur Baker, il est vraiment extrêmement difficile pour nous de patienter. Écoutez, dès que Marie-Rose comprendra que Lucien ne reviendra plus, elle cherchera à contacter sa meilleure amie. Et nous avons celle-ci sous surveillance. C'est parfait. Priez qu'elle le fasse. À demain, Monsieur Baker. À demain, madame. Est-ce que Marie-Rose a essayé de contacter cette fille? Ah. Eh bien, alors faites le nécessaire. Allez-y.
Il me fait très plaisir que vous soyez venu. Oui, je passais par ici. Qui est là? Viens te parler. Je ne suis pas décente. Donne-moi une minute. T'attends en bas. De toute façon, ce besoin de vouloir associer l'amour et le mariage est en fait plutôt récent. Et cela m'apparaît déjà comme une des pires stupidités de notre temps. Ici, Pomeroy. Max, passe-moi Nora, j'appelle de chez Baker. Oh, je regrette, Tony. Lulu l'a emmené voir un film, mais je crois qu'elles ne vont pas tarder. Je peux être utile? Demande à Nora le nom de la meilleure amie de Marie-Rose à Seattle, rappelle-moi. Oh oui, Max. Tu devras être libre demain soir, d'accord? Ça vous plairait d'avoir Max Pomeroy comme invité? Oui, bien sûr. Est-ce que Joe aurait des problèmes? Si je trouve Marie-Rose avant lui, vous pourriez être bientôt une très riche veuve. C'est vrai? Salut! Allez-y. Tony, la fille s'appelle Francine Powers, 1726 Est Claiborne. Merci, Max. À demain. Francine? Oh, je vous en prie, ne me frappez plus. Elle est à bord d'une maison flottante. Oh. Et où est cette maison? Le numéro 50. Au 20-25 Fairview Avenue. Oui, mademoiselle, envoyez immédiatement une ambulance au 1726 S. Claiborne, appartement 3. Veux-tu rester debout? Qu'est-ce qu'elle a?
J'ai dû la droguer pour la faire tenir tranquille. Marie-Rose. Marie-Rose, m'entends-tu? Tu sais, c'est fini. Tu n'as plus à protéger ton Lucien à présent. La dose était un peu forte. Il faut qu'elle parle. Réveillez-la. Pour Madame Baker. Très bien. Je vais avoir besoin d'aide. Donnez-lui un coup de main, voulez-vous? Max Pomeroy. Là. Veuillez monter, Monsieur Pomeroy. Merci. Il y a beaucoup de monde. Comment allez-vous, sénateur? Je vais très bien, et vous? Ça va. Quelle belle soirée. Tu connais le sénateur? Mais oui. Oui, la mariée est encore plus jolie que l'an dernier. Merci. Oh, je vous offre toutes mes condoléances pour votre fils. Merci, sénateur. Mais sénateur, il y a 3 semaines de ça, et avec le temps, on oublie. Merci, j'espère que vous vous amusez. Comme une folle, Joe. Ça va, hein? Ça va bien, toi aussi? Oui. Salut. Bonne soirée. C'est plutôt réussi, non? Oh, c'est alors très important, je sais. Je demande bien juste où ça va aller. En effet. Sally, je désire te présenter mes amis et partenaires, Madame Targa et Monsieur Rather, ma femme Sally. Madame Baker? Madame Baker. Veux-tu nous excuser un moment, Sally? Mais oui. S'il vous plaît. Madame Baker, je suis Max Pomeroy. Ah, mais c'est un honneur de vous avoir ici. Merci. Je crois vous avoir déjà rencontré lors d'une réception à Hollywood. Je me souviens de vous, mais je ne me rappelle pas qui m'y accompagnait. Croyez-moi, c'est sans importance. Tony m'a chargé de vous transmettre un important message. Oui, il y a un présent pour vous ici, Madame Baker. Je le fais monter. Hé, hey, Hank, George, venez m'aider à transporter cette boîte. Continuez à avancer. Encore un peu. Là, parfait. Allez-y, déposez-la. Vous jouerez ceci. Bien. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, écoutez-moi, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté de venir célébrer avec nous ce premier anniversaire. Ça a été une année extraordinaire. Cette petite fête a été organisée par Joe. Et j'aimerais à mon tour lui offrir en remerciement de tout ce qu'il a fait pour moi, cette surprise. Monsieur Anthony Dorian. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant que vous me regardiez bien. Lève mon verre à Sally et Joe Baker en ce premier anniversaire. Et j'en profite pour leur souhaiter encore tout le bonheur qu'ils méritent. Merci. Merci. Je crois qu'elle reprend ses esprits.
Est-ce que ça va mieux, Marie-Rose? Un peu. Maintenant, Madame Baker, quand je serai à l'intérieur, vous fermerez la porte à clé et vous montrerez ensuite à vos amis qu'elle est bien verrouillée. C'est verrouillé. Madame Baker, vous êtes ma geôlière, mais suis-je votre prisonnier? En fait, je suis libre de me promener dans les cités de l'esprit et de visiter les royaumes de mon imagination. Le temps et l'espace n'existent plus, je m'en suis libéré. Nous pouvons tous nous libérer si nous le voulons, par la magie de la pensée. Nous allons annoncer à tous les geôliers de la Terre que nous sommes libres. Nous allons nous diriger maintenant. Elle va-tu répondre? Non! Marie-Rose, tu es vraiment très belle, tu sais. Et tu resteras belle pour encore 20 secondes. S'il vous plaît. Je crois que cela suffit. Voyez-vous, je sais où se trouve votre bombe, messieurs. Nous vous écoutons. J'aimerais que nous nous entendions avant. D'abord, Marie-Rose et moi voulons être certains de sortir d'ici vivants. Je crois que la meilleure façon de procéder serait que nous sortions d'ici tous ensemble. Et ensuite, il me fera plaisir de parler de tout ça. Il bluffe. Je le crois aussi. Changez-vous. Et de découvrir des civilisations plus anciennes. Il y en a pour longtemps. Il ne devrait plus tarder. Des civilisations qui ont pris naissance de l'autre côté du temps. Là où tout est recommencement. Et à présent, du fond des âges, quittant les galaxies lointaines, je reviens vers vous. Merci. Et de l'autre monde, voici, mesdames et messieurs, celle que j'appelle la femme originale. Thank you.
Très bien, merci. Ils ont trouvé la bombe où vous aviez dit, Marie-Rose. Et Joseph Becker a disparu, le pauvre homme. Mais Sally se porte bien. Je n'ai aucune inquiétude pour Sally. Je ne savais pas ce qu'il avait préparé. Je croyais qu'il agissait par idéologie pour empêcher que la bombe ne tombe en mauvaises mains. On me croira, vous pensez? Ça prendra du temps, mais vous l'emporterez. La vérité l'emporte toujours. J'ai déjà le titre de mon prochain papier. Telle mère, telle fille. Oh. Mario. Oh. 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 Oh, monsieur Dorian. Thank you.